Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Visite-moi par ton salut, mon Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit: Bienheureux ceux qui gardent le juste jugement, qui pratiquent la justice en tout temps. Souviens-toi de moi, Éternel, selon ta faveur envers ton peuple, visite-moi par ton salut. Donc, il est écrit, visite-moi par ton salut. On demande à Dieu sa visite, sa visitation en nous. Que Dieu vienne jusqu'à nous pour nous visiter avec son salut, par son salut. Il y a ce salut que nous avons besoin chaque jour pour que Dieu nous aide à nous débarrasser de toute voie mauvaise, de tout penchant mauvais, de toute attitude mauvaise, de tout comportement mauvais, de tout caractère qui fait défaut. Tout ce qui est mal. Et chaque jour, nous avons besoin de Dieu. Nous le prions, nous le supplions pour qu'il nous aide, pour qu'il vienne nous sauver, pour nous débarrasser de tout mal, de tout esprit qui n'est pas de lui. Nous demandons à Dieu de nous visiter pour enlever ce mal. Les mauvaises pensées, le pessimisme, la négativité, le mauvais cœur, les mauvais penchants, les mauvais désirs, les mauvaises envies, tout ce qui est mauvais, les mauvais regards, les mauvaises choses qui traînent dans le cœur, les rancunes, Et puis que Dieu puisse aussi nous sauver de toutes les choses qui nous affaiblissent, les soucis, les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Nous demandons à Dieu de nous sauver. Donc nous avons besoin du salut de Dieu chaque jour, que chaque jour Dieu vienne nous sauver. Nous renouvelons cette demande à Dieu, à genoux devant lui dans la prière, et puis aussi dans la journée, tout au long de la journée, ou lorsque nous préparons notre journée pour faire les choses de notre emploi du temps, nous demandons le secours de Dieu, le salut de Dieu. Et c'est là où c'est très intéressant de lire la Bible, parce que la Bible est notre guide pour savoir quoi dire, quoi demander. Alors, par exemple, ici, je vais dire à Dieu, « Ô mon Dieu, souviens-toi de moi, Éternel, selon ta faveur envers ton peuple, la faveur qui est que tu sauves ton peuple du péché en Jésus-Christ. Tu nous viens au secours avec ton bon esprit, avec l'Esprit Saint aussi, je te prie. Mon Dieu, visite-moi par ton salut. » Autrement dit, visite-moi par Jésus-Christ, visite-moi par ton Saint-Esprit, visite-moi par toi, mon Dieu, mon Père, visite-moi de ta présence, remplis-moi de toi, délivre-moi de tout mal, délivre-moi de tout penchant, délivre-moi de tout mauvais caractère, délivre-moi de la colère, délivre-moi de l'impatience. Alors, je ne dis pas que moi-même je suis dans la colère, je prends des exemples, ou je ne dis pas que je suis dans l'impatience. Ce sont des exemples que je donne pour cette exhortation, ce petit enseignement. Mais vous voyez, donc ce sont des pistes que l'on peut dire à Dieu. Délivre-moi des mauvaises choses que j'ai mises devant mes yeux. Délivre-moi à me débarrasser des choses mauvaises qui sont dans ma maison,
sur mon téléphone, délivre-moi à me débarrasser des choses qui ne te glorifient pas. Aide-moi à restituer ce que j'ai volé. Aide-moi à ne plus voler. Aide-moi à ne plus mentir. Aide-moi à ne plus convoiter la femme de mon prochain. Aide-moi à ne plus faire la fornication, l'impudicité. Aide-moi, délivre-moi, mon Dieu. Viens à mon secours, envoie-moi ton esprit. Envoie-moi le Saint-Esprit, je te prie. Remplis-moi, purifie-moi, lave-moi par le sang de Jésus. Et donne-moi l'héritage, donne-moi la faveur que tu donnes à ceux qui sont tes enfants, à ceux qui sont tes fils et tes filles. Accorde-moi ta faveur, accorde-moi de marcher dans le bon chemin qui t'est agréable. Et voyez, il est écrit ensuite, « Afin que je voie le bien de tes élus et que je me réjouisse de la joie de ta nation et que je me glorifie avec ton héritage. » Nous avons péché avec nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment. Voilà ce qui sépare les hommes de Dieu et de la présence de Dieu avec les hommes, le péché, l'iniquité, la méchanceté et tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Donc nous demandons à Dieu d'enlever tout ce qui est mauvais en nous. Nous demandons à Dieu de nous délivrer, puis nous confessons nos péchés. Père, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai rêvé peut-être qui t'aurait déshonoré, tout peut-être les péchés d'orgueil, les choses que j'ai faites par orgueil sans m'en rendre compte peut-être. Pardon pour toutes les paroles que j'ai dit et qui ne sont vaines que vaines, vanité. Bon, tout ce qui t'attriste, je te demande pardon. Tout ce qui t'a déshonoré, je te demande pardon. Et je te prie de me laver, de me purifier par le sang de Jésus et de m'accorder l'héritage, la faveur qui est imputée à tes enfants. Et vraiment, visite-moi de ton salut, Père, au nom de Jésus. C'est vraiment comprendre la notion de péché. En fait, Dieu est le Dieu qui nous sauve du péché. Parce que le péché nous sépare du ciel, mais une vie sainte, une vie de piété, une vie de crainte de déplaire à Dieu, nous rapproche du ciel. Et la porte de ce ciel, c'est Jésus-Christ son Fils, et c'est lui qui est venu pour nous sauver du péché. Le péché est vraiment très grave, le péché c'est vraiment très très grave. Le chrétien est sensibilisé au fléau du péché et il s'efforce jour après jour de se purifier et de s'éloigner du péché. De s'éloigner du mensonge, de s'éloigner de la méchanceté, de s'éloigner de tout ce qui fait défaut, de tout ce qui ferait défaut à la beauté de l'homme, à la beauté de l'humanité. L'homme est appelé par Dieu à retrouver sa beauté, à retrouver sa perfection. Comme ce le fut avant le péché d'Adam, Dieu veut que l'homme marche vers la perfection, vers la sainteté, que bien poser, bien réfléchir quand on parle, bien réfléchir à ce que l'on dit, faire preuve de politesse, d'amabilité, faire preuve de courtoisie, faire preuve de bienveillance, faire preuve d'empathie, faire preuve de compassion, faire preuve de soutien, faire preuve de consolation, avoir un esprit de consolation ici pour les autres. Et ne pas chercher, refuser tout ce qui est orgueil, tout ce qui est très ambitieux, mal placé. Vraiment, Dieu veut que nous soyons, que nous tendions vers la sainteté, rejetant les mauvaises blagues, rejetant les moqueries,
rejetant les grossièretés, les jurons et toutes ces choses, mais recherchant plutôt la bénignité, la bienveillance, la générosité, l'amabilité, car c'est cela, être un enfant de Dieu, être un chrétien, c'est tendre vers la perfection, faire du bien à ceux qui nous méprisent, et pardonner à tous, toujours, toujours renouveler le pardon, et faire du bien à ceux qui nous détestent, et continuer d'aimer envers et contre tout, et toujours se relever, toujours se relever. La vie restera un combat. Il ne faut jamais, jamais abandonner, toujours se relever. Et puis Dieu est là pour nous relever. Il nous précède dans ce relèvement. Dieu nous précède, c'est lui qui nous relève déjà vers le haut. Donc Dieu est toujours là pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui haïssent le péché. Et je lisais il y a quelques jours, je crois que c'était hier, que ceux qui aiment Dieu, alors qu'ils haïssent le mal. Ça veut dire que nous devons haïr tout ce qui est mal, haïr le mal dans le caractère, haïr le mal dans le comportement, haïr le mal dans les choses que je regarde, haïr le mal dans les choses que j'entends, les mauvaises musiques, les mauvais films, le mauvais cinéma, les mauvaises distractions. Toutes ces choses, il faut haïr, haïr, haïr tout ce qui est mal, parce que Dieu, à l'opposé du mal, est le bien. Dieu est le bon. Donc si nous aimons Dieu, Dieu nous dit, il te faut haïr le mal. Donc, nous invoquons Dieu et nous lui demandons de nous visiter par son salut. Son salut, nous savons, c'est Jésus-Christ, visite-moi. Jésus, visite-moi, mon Dieu. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que moi, à mon tour, je puisse gagner des âmes pour ton salut, pour les convaincre que, loin de Dieu, les hommes sont égarés, malmenés par Satan qui est le diable dans ses mensonges. Mais toi qui es la vérité, tu nous maintiens dans la vérité, car ta parole est la vérité, quoi qu'en disent beaucoup, mais la parole de Dieu est la vérité, et Dieu n'est pas menteur, et vraiment ça, c'est un bonheur. Donc vraiment, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Souviens-toi de moi, Éternel, selon ta faveur envers ton peuple, visite-moi par ton salut. Merci mon Dieu pour ta visitation, merci mon Dieu pour ta visitation, et merci pour ta visitation pour mes amis, pour mes frères et mes sœurs, merci pour tout ce que tu vas visiter, je te rends grâce, je te loue et je t'aime, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne visitation.